Bien-être, tout savoir sur le Monoï pour réparer sa peau après le soleil. Monoï sent bon les vacances, le soleil, les îles, mais que sait-on vraiment de cette huile paradisiaque? En France, elle est perçue comme un soin solaire, c'est une erreur énorme, puisque le Monoï ne protège pas du soleil. Au contraire, il permet de réparer la peau après soleil mais aussi les cheveux. Les bienfaits du Monoï. Pendant longtemps, le Monoï était considéré comme une huile bronzante. Grosse erreur. Il n'a jamais protégé des rayons du soleil. Si vous voulez vous en appliquer cet été, en vacances, mieux vaut le faire après l'exposition au soleil, sans pour autant oublier de vous protéger avec une crème à indice SPF avant de sortir. En effet, grâce à ses bienfaits émollients, le Monoï est un soin qui va apaiser les peaux rougies par les UV, et éviter la desquamation, c'est-à-dire la peau qui pèle. Ainsi, il aidera à garder le bronzage plus longtemps. Il a de nombreuses autres vertus. En Polynésie, il est surtout utilisé comme huile de massage à tout âge, même pour les nourrissons. Il a des bienfaits relaxants incroyables. Il est aussi appliqué après s'être baigné pour réchauffer le corps. Pour les Polynésiens, le Monoï est un art de vivre. Le Monoï a des vertus hydratantes et protectrices. Les Polynésiens s'en enduisent corps et cheveux pour les protéger des agressions extérieures comme le vent, le sable, l'eau salée. La fibre capillaire et l'épiderme bénéficient alors d'une hydratation intense en profondeur. Mais ce sont surtout les peaux sèches qui vont préférer cette huile douce et parfumée pour leur donner toute la nutrition et l'hydratation dont elles ont besoin, et un effet satinant en bonus. Sa formule ultra riche est aussi très appréciée des femmes enceintes pour réduire l'apparition des vergetures. Les cheveux aussi peuvent bénéficier des bienfaits du Monoï. Si vous avez les cheveux secs, il va les nourrir, les réparer, les gainer et les protéger. Le sable, le soleil et le vent ne pourront plus faire de dégâts dans votre chevelure. Comment utiliser le Monoï? Sur la peau, le Monoï s'applique après la douche quand les pores sont grands ouverts grâce à l'eau chaude, et que la peau est encore souple et humide. Cela l'aide à pénétrer dans l'épiderme et à être plus efficace. Il suffit de chauffer quelques gouttes d'huile de Monoï entre ses mains puis de se masser du buste jusqu'aux orteils. Il est aussi possible d'ajouter quelques gouttes de cette huile satinante dans son bain. Pour les cheveux, le Monoï peut être appliqué avant le shampoing, par exemple, la veille, pendant plusieurs heures sur les longueurs, voire toute une nuit. Sinon, il peut être appliqué avec parcimonie sur les pointes sèches comme un soin réparateur après soleil. D'où vient le Monoï? L'image qui vient en tête en pensant au Monoï, ce sont les plages paradisiaques de Tahiti, et pour cause, c'est bien sur cette île magnifique qu'est né le Monoï. Il s'agit d'un mélange d'huile de copra de Polynésie, le copra étant de la noix de coco séchée, et d'huile de fleur de tiare du Pacifique Sud. Le terme « Monoï » signifie « huile parfumée », il porte très bien son nom puisqu'il dégage un doux parfum sucré qui transporte au soleil sous les palmiers juste en fermant les yeux. Le Monoï de Tahiti est macéré pendant 10 jours en cuve, filtré puis enrichi en vitamines pour une meilleure conservation. Il peut aussi être parfumé au santal, à l'ylang-ylang ou à la vanille. Sa particularité, il se solidifie dès que la température descend sous les 22 degrés Celsius. Mais pas de panique, si vous souhaitez vous en appliquer en plein hiver pour hydrater votre peau, il suffit de le laisser se liquéfier en posant le pot sur un radiateur ou en le passant sous l'eau très chaude. Le saviez-vous, le Monoï était célébré à la Cosmetic Academy. Il existe même un institut du Monoï, d'ailleurs, sur son site internet, vous pouvez découvrir plein d'informations pour bien choisir un Monoï de qualité. Par exemple, les mentions « Monoï de Tahiti » ou « AO » appellation d'origine, permettent de s'assurer de choisir un bon Monoï.
Les ingrédients recommandés sont très peu nombreux, coco nucifera, l'huile de copra, Gardenia titensis, fleur de tiare, vitamine E et parfum. Crédit photo, Getty. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité Gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.